bien au courtier. Al-Mamoun ne promettra rater son coup. Non, impossible. Le puissant Al-Mamoun. Que se passe-t-il? Il paraît que cette nuit, le puissant Al-Mamoun... Notre puissant seigneur. Notre impuissant seigneur, il faudrait dire. Toi, tais-toi, maudit perroquet. Tais-toi, sinon tu te feras trancher la tête. Crac. Mais c'est très bien, tu es fort comme un turc, Al-Mamoun. Alors, dans ce cas-là, comment expliques-tu ma déconfiture, hein? Ce sont des choses qui arrivent, monseigneur, même aux grands de ce monde. Dans ton cas, je l'attribuerai à une trop grande sensibilité. La beauté écrasante de Zumurrud et l'importance que tu lui as donnée, très justement, ont entravé ton mécanisme, c'est-à-dire le déclenchement. Tu me les brises avec ta mécanique. Le démarreur est bloqué, voilà tout. Si tu t'énerves, ce sera encore pire, maître. Nous trouverons un remède. Créons une ambiance, une atmosphère érotique stimulante. Il faut parler beaucoup de sexe. Il faut des anecdotes osées, licencieuses, des histoires libidineuses qui t'exciteront. Ayons recours aux experts qui pourront réveiller la bête assoupie moyennant un langage suggestif. Monseigneur, sois patient. Tu verras, tu retrouveras un minaret digne de ta puissance. Allez, me trouver ces experts. Dépêchez-vous, faites vite! Dépêchez-vous, vous! Et surtout, faites vite! Racontez-lui chacun à votre tour une histoire érotique, une histoire excitante. Mettez-y toute ta gueule!